S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît, pas. Du Nord, au nord du Sahara. Mais j'irai. C'est une action qui a reçu le soutien de l'Organisation internationale des employeurs. Dans une forme d'empathie qui fait les pays africains autant de Gozi vient de le dire, la France a un lien particulier. Il faut tenir un langage de vérité. La croissance de l'Afrique nous entraîne, son dynamisme nous soutient, sa vitalité nous stimule. Nous avons besoin de l'Afrique. Monsieur le chef d'entreprise, monsieur le ministre de l'économie et des finances, cher Pierre. Nous voulons mettre nos échanges au niveau de cette formidable métamorphose qui s'accomplit. C'est l'enjeu du sommet de l'Élysée qui voit l'Afrique non pas à travers du seul prisme de la sécurité. Il est essentiel, et on sait à quel point le président de la République a su marquer des gestes courageux dans l'engagement de la France au Mali hier, en Centrafrique aujourd'hui, mais comme un partenaire à part entière. L'infrastructure demeure importante en Afrique, l'OCDE, les chiffres. If you're not in Africa now, let me say that again. You're really missing the opportunity of a lifetime. So let me conclude by saying to you that we're here today as true partners, as equals, looking at the opportunities between France and Africa, looking at what we can do to support each other, grateful for the relationship we've had with France in the past, looking forward to a redefined relationship that involves much more private investment than aid, much more work as partners and equals, and much more working together, looking towards the future for a bright relationship between France and Africa. Thank you very much. Et le premier voyage que j'ai effectué